Salut, salut tout le monde, bienvenue sur ce premier épisode de l'Arcangelion Stevie News. Donc une petite émission que je ferai de temps à autre pour vous donner quelques nouvelles. Alors je suis tout d'abord désolé, c'est vrai que ces derniers temps la chaîne est restée un peu au point mort. Tout d'abord parce que dans ma vie réelle, les choses semblent bouger de façon inattendue. Donc ça je vous expliquerai. Deuxièmement parce que je veux donner une autre dimension à cette chaîne et de ce fait à chaque fois que je peux essayer de l'améliorer, j'écoute pour ça beaucoup les conseils de mes proches, je prends le temps de faire bien les choses ou du moins d'essayer de faire bien les choses. Donc, premièrement, alors en ce qui concerne mon absence de ces derniers temps, je suis tout à fait désolé de ne pas avoir pu vous donner du contenu. Le souci étant que ma vie réelle me reprend, enfin reprend un peu ses droits et en gros, je suis appelé à de nouvelles fonctions et de nouvelles responsabilités dans une association qui va mal. Donc entre le virtuel et la réalité où on peut sauver peut-être des emplois, on va quand même faire passer la réalité avant tout. Donc voilà, je n'étais pas disponible parce qu'il y a pas mal de taf, que je découvre un nouveau métier. Mais aussi, je ne serai pas disponible autant que je l'étais avant dans le futur. Il se peut que la fréquence en fait de mes épisodes et de mes émissions soit un peu au compte-gouttes, c'est-à-dire une émission, voire deux, alors trois grands maximum, mais alors franchement, ce serait vraiment, comment dire, vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je pense que je me dirige plus vers une émission à deux par semaine. Parce que sincèrement, oui, là j'ai vraiment besoin d'être au taquet au niveau de mon boulot. J'enchaîne en fait les journées de 8h à 22h, donc vous imaginez bien que dans la semaine, ça me laisse pas beaucoup de temps pour dire de me changer les idées. Ce qui me manque, hein, ça c'est, faut être clair, moi les jeux vidéo c'était ma façon de pouvoir décompresser. Là automatiquement c'est un sacrifice que je consens à mon association parce qu'elle va mal. Mais automatiquement c'est quelque chose qui me manque et vous manquez aussi puisque c'est quand même un plaisir de pouvoir partager mes aventures avec vous. Donc voilà, pour ce qui est en fait des explications de mon absence et sans doute du changement à venir. Alors en parlant de changement à venir, les émissions vont continuer, c'est-à-dire qu'il y aura toujours les cubes du maudit, il y aura toujours Ark versus One Minecraft, oula, petit bug, il y aura toujours Ark versus One Minecraft, ainsi que c'était quoi déjà, donc voilà, il y aura pas mal d'émissions. Souci, c'est que je vais changer les bandes annonces. Donc, je pense que je vais retravailler dans un premier temps mes anciennes vidéos pour dire de les présenter sous un nouveau support. C'est vrai que, ben voilà, on apprend au fur et à mesure. Je fais évoluer ma pratique. Comme vous voyez, si vous regardez mes premiers épisodes par rapport à ce que je faisais dernièrement, il y avait déjà une évolution. Je pense que là, je suis parti pour une nouvelle évolution. Alors, évidemment, ça va me demander d'acheter du matériel. C'est pas pour tout de suite. Mais je pense qu'à l'avenir, il y aura encore aussi du changement. En parlant de ça et de tout ce qui est support technique, je tiens à passer un grand merci donc à Juju pour le coup de gueule qu'il avait passé au niveau des droits d'auteur et du fait que les youtubeurs avaient tendance à s'arroger certains droits sur des choses qu'ils n'avaient pas créées et d'oublier de remercier. Donc vous verrez que mon générique de fin maintenant englobe pas mal de remerciements. Comme vous voyez actuellement, la vidéo, c'est du Cam Studio et ça, je le dois à Bill Silverlight. Donc un très très grand merci à Bill Silverlight que je ne connais pas. Hein. Je vais pas me la jouer en
en disant que voilà, je le connais. Non, je ne le connais pas, Bill Silverlight. Tout ce qu'il y a, c'est que j'apprécie l'attention qu'il m'a apportée. Je lui ai posé simplement une question par rapport à une émission que j'aimais bien de lui, qui est Let's Time Lapse. Donc j'en profite pour lui faire un petit peu de publicité parce qu'il le mérite. Premièrement parce que cette émission est de très très bonne qualité et que je la jalouse quand même un petit peu parce que j'aurais aimé avoir cette idée. Deuxièmement parce que loin de conserver ses secrets de fabrication, il les a partagés avec nous. Et notamment à travers deux épisodes de Let's Time Lapse Making Of. Donc je lui avais posé la question de savoir comment faire une émission pareille, comment réussir à mettre en œuvre des timelapses de cette qualité. Et plutôt que de la jouer concurrence et je me tais et je garde mes secrets pour moi, il a été hyper disponible et en fait en 30 secondes il m'a donné les réponses que j'attendais. Donc quelqu'un qui est quand même assez à l'écoute de son public et très disponible et très gentil. Donc voilà, grand grand merci à vous, monsieur Bill Silverlight. Je vous encourage à aller voir ces vidéos, c'est vraiment quelque chose de sublime en ce qui concerne Let's Time Lapse, mais pas que. Actuellement, il est en train de faire une série qui s'appelle SimCity, et donc automatiquement, c'est un peu ses actualités à lui. Je reviens donc. Comme vous voyez, donc Cam Studio, les shaders, enfin un peu tout pour dire de retravailler plus efficacement et plus professionnellement mes bandes annonces, mais pas que. Par la suite, j'envisage d'acheter un second compte pour commencer à faire aussi du timelapse de mon côté. Enfin voilà, plein de projets à venir. Je pense que l'évolution, là, on est à la version 3.0, mais je pense. Je pense que les choses vont encore évoluer. Donc, comme je le disais, les émissions vont continuer. Il y aura donc les cubes du body. Je vais retravailler les vidéos. Alors, je vais certainement garder les anciennes puisque c'est ce qui montrera l'évolution de la chaîne. Mais je vais les scinder. Disons que j'avais fait les cubes du body première saison avec à la fois la capitale et Nefalia. Je pense que je vais faire une première saison concernant simplement la capitale et une seconde saison qui sera déjà en ce qui concerne Nefalia en fait, donc le château fort que l'on avait vu en première partie de vidéo, ainsi que la cité troglodyte, donc la colline qui était qui est creuse en fait. Et voilà quoi, en gros on va rescinder les choses. Autre changement, les génériques vont bouger, donc j'ai refait des génériques aussi bien pour les cubes du body que pour c'était quoi déjà. Vous allez voir, il y a pas mal de changements. Alors évidemment, je ne serai pas à une sortie d'épisode comme je l'avais avant. J'ai aussi refait la bande-annonce de Harvest's White Minecraft en sachant que je pars vers une nouvelle idée de série. Disons que le concept de base est encore là, hein, avec ses lois, ses règles assez astreignantes. Un concept de survie, mais vraiment en milieu hardcore et avec des règles vraiment vraiment très 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 strictes. Donc voilà, on va continuer, il y a pas mal de choses à faire, j'ai pas mal de taf, que ce soit dans le réel ou que ce soit dans le virtuel. En tout cas, moi cette chaîne j'y tiens. Je ne compte pas la déserter. J'aurais bien aimé avoir du relais et avoir de l'aide. Le souci c'est que c'est un projet que j'ai mené tout seul, donc voilà quoi, j'y vais. En espérant que ça vous plaira, en espérant que ça vous a plu, que ça vous plaira encore et que on sera encore ensemble pour de longs moments. Enfin un long moment, excusez-moi, j'ai perdu un peu l'habitude de parler sur les vidéos. Quoi qu'il arrive, donc là, beaucoup de vidéos que je vais retravailler dans un premier temps. Il se peut que je glisse des nouvelles vidéos parmi les anciennes, simplement pour expliquer peut-être un peu plus chronologiquement comment les choses ont évolué. Donc la première,
le premier épisode en fait des Cubes Maudits, notamment au niveau de la capitale, je pense que ce sera un peu la reprise du serveur Notre Monde et comment il a évolué et comment il en est arrivé en fait à ce point. Voilà, pas mal de choses que je tenais à vous dire. Je vous présente encore une fois mes excuses pour le peu de disponibilité que j'ai eu et pour le peu de disponibilité que j'aurai encore. Mais voilà quoi, c'est pour la bonne cause. Sincèrement, c'est chaud et j'ai besoin quand même de ce temps pour régler pas mal de choses au niveau professionnel dans le réel, en espérant que cette situation ne soit que temporaire, le temps de passer la tempête, et que une fois la calmie revenue, je pourrai revenir plus tranquillement sur ma chaîne, histoire de pouvoir me changer à nouveau les idées en votre compagnie. Donc voilà. Que dire encore? Je pense que j'ai tout dit. Si, oui, j'avais oublié aussi quelque chose auquel je tenais. Je tenais à dire aussi un grand, 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 grand et très, très grand merci à mes proches, notamment mon frère Kaiser Soze, qui m'a beaucoup aidé, poussé, qui a beaucoup discuté avec moi. Alors évidemment, il n'est pas aussi impliqué que moi sur ce projet, mais en tout cas, je peux compter sur lui pour garder un esprit critique. Et me dire un peu les choses qu'il aime, qu'il n'aime pas, comment je pourrais améliorer les choses. Enfin voilà, un gros gros soutien de mon frère que j'apprécie et qui a toujours un petit œil un peu sur mes vidéos en me disant voilà, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Alors évidemment, comme il est assez élitiste, Blender et tout le reste, là actuellement j'aurais pas le temps. Donc je ne peux pas me mettre à Blender, j'aurais bien aimé, mais j'ai très très peu de temps. Le peu de temps qui me reste, j'essaye de me divertir pour pas péter les plombs. Donc voilà quoi. Il se peut aussi que je joue aussi de mon côté pour me changer un peu les idées, sans vous partager les choses avec, enfin, sans partager les choses du moins avec vous, parce que voilà, c'est un moment, des fois, il est bon aussi de se ressourcer soi-même et de se recentrer sur soi-même. Donc voilà. Pour autant, plein plein de projets. Donc la saison 1 de Ark versus White Minecraft, je ne sais pas si je pourrais vous la reposter puisque j'ai perdu tout le contenu de la saison 1. Alors, aujourd'hui, je me pose la question de savoir est-ce que je la refais ou est-ce que j'essaye de récupérer les vidéos YouTube pour dire de les remettre. Je pense que je vais abandonner la première saison qui était un essai. Et que je vais repartir sur une version de Ark versus Wild Minecraft, mais avec une nouvelle esthétique, on va dire. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne cette série-là. Les cubes, on en a parlé. C'était quoi déjà? Évidemment, nouvelle bande-annonce, mais je pense que je vais récupérer les vidéos que j'avais déjà fait et dans un second temps, si mes finances le permettent à l'avenir, je pense que je vais essayer d'agrandir le cheptel de mes vidéos en achetant du matériel pour dire de pouvoir filmer aussi des consoles, puisque j'ai une PS2, une PS3 et que je compte bien dans peu de temps acheter une PS4. Enfin, ça reste à l'ordre des projets. Dans les achats, je vais voir aussi à l'avenir si je ne peux pas acheter un second PC pour dire de pouvoir faire du time-lapse. Mais ça, pour l'instant, je suis entre deux choix, soit en revenir à un ordinateur, soit passer à un PC portable. Sauf que le PC portable, pour moi, j'aime pas. J'ai pas l'habitude. Je suis de cette génération qui a joué sur des tours et qui aime les tours. Donc voilà. Ça, c'est un peu pour mes projets. Ouf, le jour se couche.
Donc voilà, pas mal de projets à venir, pas mal de choses à faire. Peut-être pas trop de temps pour dire de pouvoir les faire, mais bon, on va essayer. Que dire encore? Est-ce que j'ai oublié des choses? J'ai certainement oublié des choses. Oui, une petite pensée à Hugo, mon filleul qui s'est cassé le bras. Pas trop le temps de pouvoir aussi aller lui rendre visite, mais en tout cas, je pense à toi, mon bichon. Ouais, bon, ben, je pense que on peut en rester là. Attendez, que je vérifie. Donc, on a bien parlé des excuses. Ensuite, des séries. Ouais, ben voilà. Donc, je vous laisse. En fait, je vous laisse profiter de cette cinématique. Oui, tant qu'on y est, j'ai parlé de ça, mais à venir, pas mal aussi de changements au niveau de la capitale, pas mal de changements au niveau du château de Néphalia, en sachant que je partirai aussi peut-être sur des épisodes un peu plus tuto. Chose que je ne faisais pas, enfin je faisais beaucoup d'épisodes tuto, mais au niveau de la décoration ou au niveau de la construction, je pense que je vais partir aussi sur des tutos en ce qui concerne ferme, élevage, enfin voilà, diversifier un petit peu plus quand même ma gamme, même si c'est déjà fait par d'autres et tout le reste. Bon, bah là, j'essaierai de le faire à ma façon. Je ne dis pas que ce sera révolutionnaire, ce sera certainement des choses que vous aurez déjà vues, mais pour des personnes qui ne connaîtraient pas, ça peut toujours être intéressant. Enfin voilà. Donc, que des bonnes choses. J'espère que pour vous, tout va bien. Voilà. On va en rester là. Ouais. Bon. Eh bien, écoutez, je laisse la cinématique tourner. Et moi, en tout cas, je vous dis à bientôt. Dans pas longtemps, donc nouveau épisode. Ça risque de prendre quand même un petit peu de temps, donc ne m'en veuillez pas si vous ne voyez pas d'épisode tout de suite. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vous remercie de votre fidélité. Ah, il se peut aussi que je reboote la chaîne et donc que je perde toutes mes vues, mais bon, ça c'est le jeu. Allez, salut, bye bye.